Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette table ronde 6, l'avenir et le projet, avec une traduction un petit peu différente en portugais au brésilien, puisqu'on utilise le mot futur. L'autre signification en français. Non, mais le futur en français a une autre signification avec l'avenir et le projet. Est-ce que on m'entend bien? Alors, qui commence? Alors, on a 6 présentations. Et la première présentation, donc, si je comprends bien le programme, est celle de Vinicius Pereira et Gilles Barros sur le prototypage visuel de l'avenir de la maison intelligente. Est-ce que vous prenez la parole depuis la visio? Est-ce que je peux commencer? Oui, je vous en prie, vous avez la parole. À vous, on vous écoute. Ok, je vais partager my screen. Ah, sorry, my French. It's not really awesome. And I'll be presenting in English. So, just a minute. Is everyone seeing my screen right now? C'est bon, yes, thank you. It's great for me. Okay. So my name is Vinicius. I'll be presenting this alongside with Gil Barros from PAUSP. I'm currently a PhD student at UEA in Norwich. And Gil was my former supervisor during my master's in PAUSP. So we are kind of collaborating in this topic about co-designing participatory processes and foresight methodologies. So right now I'm the one studying smart houses, and we sort of like merged our knowledge to come up with this presentation today. So I'd like to just give you a brief context about the smart houses. So the automation industry has been facing a rapid growth that's happening mostly because of the vast amount of data available. And the use of this data has been a resource to automate ordinary tasks using artificial intelligence algorithms. And among other things, a smart house is basically a residential building that is able to do things like self-regulate its energy consumption or act like some sort of sentient virtual assistant, tracking and providing a sense of comfort or security to their users. And talking about specifically about the users, we have like a brief literature review on smart house technologies and how the users are integrated with the development of such technologies. And they are really not super integrated in the process. We can say that they are not thinking about their users' concerns or expectations. So we sort of understood already that participatory methods could better address users' social values into the design process of smart home technologies. So would you like to talk about the use of some sort of visual resources as triggers to these co-design prototyping sessions? An important aspect of those co-design sessions is that as a facilitator, we need to provide common ground of vocabulary and symbols for people who comes from different social backgrounds. So a really effective way of doing this is offering a communal set of visual references to orientate the discussion. And in a way that you're sort of using the images as tools for mediations, but we are also having like as an output
we are also having some images like visual products, visual prototypes. So it's more of like an iterative session process. So we have about organizing this collective imaginary for creating the common ground. We have used like motion pictures, movies, and it can be like a really interesting asset for the construction of alternative realities, because it has like some resemblances to a person's sensible reality. They can create greater empathy, freeing up people's reveries and to everything to talk about a specific theme. So for this presentation today, we have come across a list of 26 movies and TV shows, and all of them show some sort of smart house technologies. So to better refine the list, we have chosen to focus on productions which presents smart houses as some kind of character instead of only the environment for other narratives. So then we were able to label the productions according to the general characteristics of what has been presented by those intelligent homes in the movies. And we have identified four main groups. And right now, at this point of my presentation, I'd like to invite everyone in the round table and also in the audience, you can like chat in the YouTube chat, to try to figure it out. I'm going to show you some GIFs, animated GIFs of four movies. And also I'm describing the four main groups. So I'd like to see if you guys can relate them, seeing which movies from which group. So the first group that we identified, I'm calling it a funny electric, because it shows a set of funny situations about early adoption of electricity by households. The second group has a more critical point of view to the machine society and industrialization. So machine society is the name of it. The third one is presenting like a sample on how can groovy an automation, how groovy can be like when you automate your daily routine. And the fourth one, it's about security and privacy concerns. So when those things emerge in your smart house. So I'm going to show four GIFs, animated GIFs, and I'll be done by the end of the GIFs, so we can discuss this later in the open session. So this is the first one. This is the second one. This is the third. And that's it. Thank you for everybody. Merci beaucoup à tous. Merci, thank you very much, Vinicius. It was an original presentation with our video. It's very interesting always. Thank you. Next presentation, la présentation suivante est de Juliana Hiroki-Milène et Renata Yarussi. Est-ce que vous êtes dans la salle ou à l'extérieur, en visio? Réflexion sur l'image de l'architecte et ses influences sur les formes d'habitation dans les espaces urbains et les imaginaires. Est-ce que vous êtes là? Juliana, Renata? Ok. C'est
Bom dia, vocês me escutam? C'est bon, vous voir, vous entendre. Bonjour, oui, vous m'écoutez, ça va? Oui. Je vais partager mon écran, d'accord? Ça va, vous voyez l'écran? Oui. Je partage avec vous? Oui, merci. D'accord. Moi, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Notre travail est appelé Réflexion sur l'image de l'architecte et ses influences sur la force de la manière d'habiter dans les espaces urbains et leurs imaginaires, qui a été développé par ma collègue Julianne Ecorri-Roquemillen, qui a un doctorat. Et son professeur, directeur Arthur Rosenstein, et par moi-même, Renata Yaroud, qui fait mon master, et mon directeur de master est le professeur Gio Barros, dans la faculté d'architecture de São Paulo. Nous faisons partie du groupe de recherche Représentation sur l'imaginaire et l'architecture. Et l'année dernière, nous avons eu un séminaire où nous avons créer un atelier avec 10 personnes liées au domaine de l'architecture et de l'urbanisme entre professionnels et professeurs et des étudiants qui ont participé. L'objectif était de promouvoir des réflexions sur l'imaginaire où l'architecte est impliqué, comment il est vu, qu'est-ce qu'on attend de l'architecte, comment se voit-il ou se voit-elle elle-même pour promouvoir ses réflexions et stimuler ce que les participants développent pour qu'ils puissent développer leurs pensées en enregistrant et échangeant leurs idées. Nous avons proposé justement d'enregistrer cet outil qui est un Canva avec des champs spécifiques pour qu'ils écrivent ce qu'ils devaient améliorer, ce qu'ils considèrent comme un différentiel des architectes, ce qu'ils pensent être un défaut des architectes et ce qui devrait être remplacé en plus de ce diamant, disons, au centre, qui présenterait quel est l'idéal de l'architecte. C'est une vision de l'architecte idéal des participants. En seconde étape, nous avons proposé qu'il voit des parties de ses films, puisque l'image de l'architecte a été représentée dans le cinéma depuis des années avec une image idéalisée, parfois romanesque, et nous avons montré des parties de ces films, Volonté indomable, Fountainhead, Inception, et l'architecte, The Architect de 2016, peut stimuler des réflexions parmi les participants. Après, nous avons proposé que les participants utilisent une nouvelle fois cet outil, le Canva, pour enregistrer leurs impressions sur les personnages dans le film qu'ils pouvaient recueillir et enregistrer les caractéristiques dans ces mêmes petites fenêtres, boîtes dans les du diagramme, en faisant donc une comparaison. Et ces trois films montrent également des personnages qui sont des architectes, qui sont très idéalistes, très inflexibles, parfois même autoritaires, ce qui donne une comparaison intéressante entre la première image Canva et la seconde image Canva avec leurs différentes fenêtres. Et ce que nous avons vu, c'est que les participants qui étaient des architectes se sont vus profondément impliqués dans la proposition de réflexion sur leur travail et ont démontré un désir d'exposer ces soucis et ces idées. Nous avons quelques résultats ici que Juliana va partager avec vous. Elle va vous faire cette seconde partie de la présentation.
Nous avons donc ici quelques commentaires qui ont surgi à partir de cette discussion que nous avons eue à partir de cette seconde discussion. Et nous avons souligné quelques commentaires ici. Le projet est cette idée d'aller vers la culture et d'en revenir, associer la figure de l'architecte avec celle de Dieu, d'une certaine façon. La réalité simulée qu'on apparaît ici, la réalité ne devrait pas être simulée, elle devrait être celle qui est dans notre contexte. Nous voyons ici d'autres commentaires. Les références en faculté sont d'architectes connus qui représentent l'image idéalisée de l'architecte, l'idée que l'architecte aura le contrôle de tout et que l'image finale est immaculée, et qu'elle ne doit être vraiment souffrir aucune intervention ni des clients ou des collègues ou d'autres professionnels ou du budget. Et il y a une lutte entre ce que l'architecte est, ce qu'il désire être. À partir de ces discussions que nous avons eues à la fin de notre atelier, nous avons vu quelques commentaires et considérations qui se sont détachés d'entre les autres. Et nous allons parler ici. Et nous avons donc une similarité entre les idéaux professionnels des participants et se présenter dans les films. L'architecte héros se reflète dans les idéaux professionnels d'une grande partie des architectes. Et c'est comme un désir d'un idéal professionnel qui se révèle dans les films. Nous voyons également que le discours est très différent de la pratique, de comment les architectes font leur propre portrait, la façon dont ils se voient est différente de ce qui se passe dans la pratique, dans leur profession. Nous avons des institutions qui passent cette image de l'architecte comme une star, le star-architecte, et nous avons cette référence pour les élèves des architectes qui sont extrêmement connus et qui ne correspondent pas en fait aux architectes qui travaillent dans la ville réelle, la plupart, disons. Et l'architecture comme une œuvre collective en comparaison avec l'auteur individuel, le créateur unique, ce qui est très mis en évidence dans les films où on donne cette impression de l'architecte comme auteur unique, alors que le travail d'architecture en général, est un travail collectif, soit entre le client et l'architecte, soit par la réalisation faite par un groupe d'architectes en coopération avec des professionnels d'autres disciplines et d'autres exigences qui doivent participer de ce travail. L'image de l'architecte dans la société, qui souvent est vue comme ayant ce rôle d'attribuer une exclusivité à un projet avec une autre valeur ajoutée qui, ce qui à son tour, affecte justement le paiement des professionnels. Souvent, des clients ne veulent pas chercher des architectes parce qu'ils pensent que ça va être hors de leur budget, absolument inaccessible pour leur réalité, et les architectes finissent par se dévaluer eux-mêmes en conséquence. Et la question qui était la plus forte pour nous, c'était justement la question de génie de l'idée en comparaison avec des processus absolument exhaustifs au travail. Les projets donc ont une idée formée, les gens pensent que le projet surgit spontanément dans l'esprit des architectes, ce qui ne correspond pas à la réalité parce qu'il y a beaucoup de travail et de parcours avant de parvenir à un résultat final qui n'est pas final parce que le projet est toujours en train d'être repensé et amélioré ou peaufiné. Et finalement, les conclusions que nous avons tirées, c'est qu'il serait important de reviser la posture des architectes, une démythification des architectes qui est liée à chercher également une empathie avec le client et les autres agents aux acteurs, et chercher de nouvelles images pour les architectes qui soient un meilleur portrait de la réalité, disons, des architectes qui soient réels, et une réorganisation, une réévaluation des projets dans les universités et
qui sont des travaux qui sont exposés aux élèves et qui mènent à un débat qui se poursuit jusqu'à leur diplôme. Quelle est la réalité, disons, du papier, du rôle des architectes, de ce qu'ils font, avoir une idée de leur rôle, de ce que souvent les étudiants n'ont aucune idée de comment fonctionne un bureau d'architecture, comment fonctionne le travail de l'architecte. Ils entrent avec un idéal en tête qui ne se reflète pas dans la réalité. Et l'architecture comme un processus collectif plutôt qu'individuel. Il faut donc sentir cette participation, démythifier cette question du génie individuel. Et donc, nous voyons ce besoin très fort entre les professionnels de parler sur ce sujet. Ces images des architectes sont dans l'inconscient de la profession, mais ne sont pas débattues. Il nous faudrait donc réévaluer comment ces images que l'on fait sur les architectes conditionnent les professionnels et comment elles peuvent affecter les potentiels de notre profession. Est-ce que Renata veut ajouter quelque chose? Bon, alors merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Juliana, merci beaucoup Renata pour cette présentation très intéressante et originale sur la situation de l'architecte qui devrait normalement susciter quelques réactions de la part des architectes. Merci beaucoup. Donc, je propose de passer la parole donc à Marie-Madeleine Osdeba sur la ville de demain. Marie-Madeleine Osdeba. Êtes-vous là? Dans la salle, en visio? Personne ne se manifeste. Marie-Madeleine, êtes-vous là? Non. Bon, on va passer cette présentation. Et donc, on resollicitera Marie-Madeleine tout à l'heure. Je propose donc que nous passions la présentation numéro 4, Alberton, Clarissa et Laetitia. Bonjour. 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 Je suis Josie Claire avec Clarissa et Laetitia. Je vais vous parler du prochain travail qui est sur notre liste. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Vous avez la parole, c'est à vous. Alors, oui? Oui, à vous. Je peux commencer? Oui, vous D'accord. avez la parole, je vous en prie. Por favor, tem a palavra. Vou começar, então. Je vais donc commencer. Bonjour à tous. Je suis Josie Claire Aubertin, je suis professeure du cours d'architecture et urbanisme de l'Université fédérale de Santa Maria et je fais cette recherche avec les deux autres autrices qui sont l'architecte urbaniste Clarice Manske et artiste visuel également et la photographe qui va se diplômer dans le cours d'architecture et d'urbanisme de Ouche, puis Laetitia Durlot. Nous sommes donc les trois autrices de ce travail et notre slogan est la, ou notre objectif plutôt, est la recherche de ce projet dans le milieu académique comme expérience sensible, surtout centrée justement sur le milieu universitaire. Et nous sommes liés à un groupe de recherche et d'études qui travaillent avec l'Université fédérale de Santa Maria
Et nous avons en partenariat le groupe du professeur Arthur Rosestra de USP. Notre travail est appelé le mouvement du projet comme expérience sensible sur comment s'impliquer, créer des récits et se pencher sur les images. D'où part donc notre remise en question. Ils ont surgi de deux expériences en commun que Laetitia et moi avons eues et qui ont eu lieu en des temps et des espaces différents. La première expérience a été dans un atelier 2 du cours d'architecture et d'urbanisme de l'Université fédérale de Santa Maria en 2013, et l'autre expérience a été un atelier appelé Rivière Corexoput, ou Rivière cachée, qui a eu lieu en 2019. En premier lieu, pourquoi sommes-nous revenus à ces deux vécus, ces deux expériences en 2019 avec le professeur Valesca de Oliveiras, qui étudie justement l'architecture et l'urbanisme, et nous avons repris ces deux expériences pour en faire le reporting et souligner les actions, comme ces actions qui mettent en valeur l'expérience esthétique, les sens et l'imagination sont importantes pour le processus du projet. La première expérience, cette première expérience a eu lieu dans la première discipline dont nous avons parlé, qui était axée sur le développement des projets architectoniques, et la méthodologie était axée sur l'étude des mots et le cas très spécifique de mots implication ou engagement. La seconde expérience qui a eu lieu dans ce second atelier de ICHT 2019 a été créée par les professeurs Vladimir Bartolinia et Arthur Cabral, qui avaient en commun cet objectif de révéler symboliquement le Córrego das Cabras, cette petite rivière des serpents, la rivière des serpents, qui était presque cachée. Qu'est-ce que ces deux méthodologies avaient en commun? Et nous avons donc cherché le dialogue avec Gaston Bachelard et Castoriadis pour discuter l'imagination, l'autonomie et la question de l'expérience centrée sur les expériences, en revenant donc sur l'idée que le projet de conception du projet dans l'architecture est organique ou biologique, pour ainsi dire. Ça fait partie justement de l'imagination, de la fantaisie, qui peuvent être très importants pour l'apprentissage et le développement d'un projet dans les facultés d'urbanisme et d'architecture. Si nous prenons en compte ces deux questions, nous nous sommes rendus compte que ces deux expériences collaboraient pour l'élargissement des concepts et des sens dans l'architecture, dans les façons de penser la ville, et que des concepts comme l'imagination et les rêveries est très complexe quand on les transformait, disons, quand on les problématisait dans le contexte de la création de projets. Avec ce travail, nous reprenons donc cette idée. Pourquoi est-ce que nous revenons sur ces expériences dans ce travail que nous vous présentons aujourd'hui? Nous reprenons cette idée pour approfondir ces questions ainsi que le débat lié au processus de création, de développement du projet. Notre critique est que nous sommes rendus compte pendant le développement du projet, c'est que ce genre d'expérience est extrêmement axé sur le processus du projet dans l'université, en première étape des disciplines, et elle alimente ou permet de se déployer ce premier moment du développement du projet. Notre défi est de créer des méthodes, des procédures qui nous permettent d'étendre, de rallonger, d'élargir ces expériences durant tout le processus de conception du projet. Pour cela, nous proposons des créations de récits, et là entre un dialogue théorique très important avec les auteurs
la table ronde discute avec nous ce thème. Comment nous faisons un cela? Nous avons Gadamer et Didi Huberman. Nous avons donc le récit et les images. Nous allons parler justement de le développement ou de l'élaboration de ces récits où on développe ces expériences dans ces lieux, ces expériences du corps dans des lieux ou dans des endroits qui sont extrêmement importants pour le processus de création, de développement du projet. Il nous faut construire donc des récits après l'expérience de ces vécus pour créer un enregistrement, un rapport qui fasse parler ces récits et où le sujet puisse dialoguer avec ces récits pendant tout le développement du projet. En se penchant sur les images, comme vous voyez ici, les photos, nous ont permis de nous rendre compte que le récit visuel peut être plus efficace que le récit textuel. Nous avons créé donc le récit textuel, narré des événements, mais le récit visuel est très fort à cause de l'attirance créée par l'image, la nature même du domaine de l'architecture et de l'urbanisme et le lien étroit avec le monde de la représentation et donc des images. Et le dialogue, qu'est-ce que ces récits par image nous proposent? Ce dialogue avec les images pendant le processus, ce serait la rêverie sur la rêverie, disons, l'imagination, cette position, cette mise en potentiel de l'expérience du corps qui a lieu tout au début du projet, donc ce vécu du lieu et qui est mise à l'échelle, disons, ou amplifiée, nous permet donc de nous avancer davantage vers la conclusion du projet parce qu'on crée des expériences basées sur l'expérience, plus d'expériences basées sur la première expérience du vécu, disons. Et pour clore cette idée, c'est ce que Didi Huberman nous dit et ce que Pellerero écrit sur lui, sur sa méthodologie des images, disons, faire un poème du poème. Et si l'on pense à tout cela, nous avons eu des résultats extrêmement intéressants entre lesquels nous voulons souligner que ce genre de recherche conduit sur les récits qui continue d'avoir un impact très fort, surtout dans les musiques, dans la construction du récit même. Cela contribue au processus du développement du projet parce qu'elle donne une valeur à ce développement du projet qui est établi non seulement par la résolution des problèmes, mais également par le mouvement, le processus du projet comme un mouvement qui peut déclencher des expériences et les rendre plus fortes et l'augmentation de la compréhension des espaces construits et habités et les rapports qui découlent de ces espaces. Et ce serait ça. Merci. Merci beaucoup, Alberton, pour cette très originale et très pertinente présentation sur le mouvement du projet en tant qu'expérience. Je pense que cela peut aussi faire réagir ensuite et apporter quelques commentaires. Merci beaucoup. Je propose donc de passer la parole à Raphaël Bidot-Vaddington pour une intervention sur le Mésopolis Lab, dessiner de nouveaux imaginaires prospectifs de la résilience territoriale et urbaine. Oui, bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai un problème. J'ai fait une mise à jour de mon système ce matin et ma caméra ne marche pas. Donc, je viens d'envoyer mes slides. Est-ce que la personne qui est derrière le profil Instituto Dialectica peut partager mes slides et je ferai ma présentation donc à visage masqué, mais quand même avec mes slides, si c'est possible.
J'ai que 4 slides, donc ça va être facile. On a des interventions courtes. Je vais profiter de ce tout petit temps pour peut-être me présenter, parce que moi, donc j'ai pas un profil tout à fait académique. Je suis artiste plasticienne, mais j'ai créé il y a déjà 20 ans une plateforme de recherche qui s'appelle le LID. Au début, ça voulait dire laboratoire d'ingénierie d'idées. Petit à petit, c'est devenu le LID Future Lab. Et l'idée, c'était de pouvoir inventer un petit peu des méthodes d'investigation sur comment l'art permet d'imaginer le futur, d'adresser les transformations de société, d'en faire un marqueur des évolutions un peu à toutes les échelles. Et donc, je mène des projets de recherche sur le futur à la croisée du monde artistique, du monde économique, du monde académique et des enjeux urbains. Donc, la ville est une de mes spécialités. J'ai fait mon tout premier projet de recherche sur le quartier de Christiania, par exemple, qui est une des communautés alternatives assez connues, qui a une durée de vie assez longue de 50 ans maintenant. J'ai fait un projet sur le futur du Grand Paris aussi, par exemple, à une autre échelle extrême inverse. Et donc, en attendant que mes slides apparaissent, je vais quand même commencer parce que le timing est assez serré. Et donc, l'idée, c'était de revenir sur ce concept de résilience urbaine. C'est un terme qui est aujourd'hui usé de manière assez massive. J'ai pu faire une étude prospective, donc là, avec plutôt dans ma partie consulting et collaboration avec des think tanks. J'ai mené il y a 5 ans une étude prospective sur le futur de la résilience territoriale, avec cette notion de la résilience qui est peut-être le nouveau terme pour parler du développement durable. Il y a un consensus sur la dimension écologique de la résilience urbaine. Il y a aussi un consensus sur sa dimension sociale et inclusive. Dans cette étude, on avait montré aussi, donc c'est un groupe de travail qui a produit cette étude. Moi, j'étais une des chercheuses clés. On a montré aussi que la résilience ne pouvait pas se faire sans aussi ce qu'on appelait une résilience collaborative, notamment avec la mise en œuvre et la mise en mouvement d'écosystèmes collaboratifs qui pouvaient être très hybrides, en croisant notamment les écosystèmes d'innovation, les communautés de recherche et les communautés artistique également, et que cette résilience, finalement, il ne pouvait pas y avoir de résilience territoriale sans une résilience également émotionnelle et culturelle, et que donc les communautés artistiques avaient un rôle névralgique. Donc là, vous pouvez mettre ma première slide. La deuxième, excusez-moi, ça c'est la page d'intro. Donc la slide numéro 2, voilà. Donc là, qui reprend un petit peu les mots-clés de cette étude prospective. Et donc, voilà, l'idée dans cette étude, c'était clair que si on essayait d'adresser le futur de la ville avec ce prisme de la résilience, il fallait penser écologie, il fallait penser inclusion sociale, mais il fallait penser aussi écosystème collaboratif et implication des écosystèmes culturels, créatifs, artistiques, parce que c'était par leur biais que finalement les ancrages et les métamorphoses pouvaient s'ancrer dans le territoire de manière beaucoup plus durable, et aussi travailler cette dimension immatérielle et imaginaire. Donc ça, c'est un travail que nous avons mené en 2016. Je le fais un petit peu en abrégé pour appuyer cette notion d'implication des écosystèmes artistiques qui s'avère en fait complètement oubliée. On voit aujourd'hui que la résilience territoriale est un concept qui est utilisé de manière très institutionnelle, avec le réseau des Resilient Cities Network, à l'OCDE, avec les SDG. Tous ces grands référents internationaux parlent de résilience urbaine, mais s'appuient uniquement sur une espèce de triangulaire qui mêle d'une part écologie, d'autre part enjeux sociaux, ensuite la notion de gouvernance, mais il y a toujours peut-être éventuellement une notion d'innovation, mais finalement, dans ces grands modèles qui sont devenus les standards, on oublie un petit peu la dimension artistique, culturelle, qui est complètement passée à la trappe. Et donc, ce qui est devenu un petit peu l'école référente de cette résilience urbaine fait l'impasse sur cette dimension artistique et culturelle. Donc, il y a vraiment eu un passage à la trappe, et on voit, par exemple, les politiques de Green New Deal, aujourd'hui, qui sont appliquées aux États-Unis, à un niveau européen, qui s'appuient toujours sur ce concept de résilience urbaine, mais dans tous ces grands schémas
la dimension artistique et culturelle, la dimension imaginaire est également passée à la trappe. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de standardisation de ce vocabulaire qui devient un petit peu fourre-tout, mais voilà, avec un assèchement et peut-être aussi, donc là, la planche d'images que vous avez, c'est un petit peu ce qui caractériserait un petit peu ces images et ces imaginaires de cette notion de résilience urbaine. Donc ça, c'était plutôt ma casquette plus théorique et prospective où j'ai introduit un petit peu ce vide. Et en réponse à ce vide, j'essaye de développer des projets plutôt de prototypage, d'invention conceptuelle, de farfouillement, d'exploration sur comment justement imaginer d'autres canevas qui pourraient nourrir cette dimension de résilience par des introductions de nouveaux concepts. Donc là, je vais parler, slide numéro 3. Je vais parler d'un concept que je développe depuis une dizaine d'années, qui est cette notion de mésopolis, qui serait cette utopie d'une ville à la fois écologique, mais aussi écosophique, une ville milieu. Et c'est un concept que j'ai développé à l'occasion d'un projet de recherche que j'ai mené sur la ville de Téhéran, où j'ai été invitée par un groupe de recherche sur comment penser une ville, le futur de la ville de Téhéran, en couplant urbanisme, écologie, et art. Et cette notion de mésopolis, qui était pour moi d'abord une manière de parler d'écosophie, de pouvoir parler d'écologie, d'écologie sociale, mais aussi d'écologie mentale. Donc m'est venue cette notion de mésopolis, d'une ville-milieu, qui faisait référence également aux travaux de Chris Younes ou également à la mésologie. Donc d'abord, ce projet m'a permis d'énoncer cette première base de réflexion. Mais en fait, ce projet a avorté, il n'a jamais eu lieu. Il s'est avéré que cette notion de mésopolis était en fait, je dirais, une vue de l'esprit, quelque chose de complètement imaginaire, un modèle complètement hors sol. Et donc, je me suis dit, mais finalement, cette mésopolis, c'est un modèle d'utopie, dans le sens d'une cité imaginaire et irréelle. Et donc, j'ai décidé de la faire voyager, d'essayer de travailler cette utopie de manière plus littéraire et artistique, en essayant de la transposer dans d'autres contextes. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ de cette mésopolis qui est née à Téhéran, mais qui s'est vite évaporée pour repartir dans l'espace. Et petit à petit, je l'ai fait évoluer. La deuxième version de la mésopolis, donc la slide numéro 4, s'il vous plaît. Et donc là, la mésopolis version numéro 2, c'est une expérience de design fiction que j'ai menée à l'occasion d'une conférence Art et Sciences sur comment utiliser l'eau du ciel. Donc, c'était une conférence organisée par la chaire de recherche Art et Sciences de l'École Polytechnique et de l'ENSAD à Paris. Et pour cette conférence performative, j'avais imaginé des projets fictifs qui donnaient à sentir comment on pourrait imaginer des modèles, des prototypes pour vivre avec cette eau du ciel. Et donc là, la mésopolis devient une cité utopique qui flotte dans les airs, qui est inspirée peut-être du projet de Thomas Saraceno avec son projet Aérocène, qui est peut-être également inspiré des industries Sekem en Égypte, qui sont des industries qui ont biodynamique au cœur du désert, qui ont réussi à faire vivre toute une cité écologique, inspiré également de la biodynamie et des communautés de Rudolf Steiner. Donc dans ces méthodes de recherche de design fiction, j'essaye de coupler des acteurs réels, des images, un récit pour essayer de donner à sentir, par vraiment de faire une expérience de pensée au futur, d'essayer de sentir ce que pourrait être cette mésopolis. Et donc là, cette mésopolis devient une cité flottante qui attrape l'eau des nuages pour irriguer et faire vivre une communauté alternative. Alors là, on est dans le summum. J'ai entendu la présentation tout à l'heure sur les éco-villages. On est un petit peu dans le summum de ces communautés alternatives avec ce fantasme d'autonomie radicale où on est un petit peu
peu dans un prototype avec un mélange d'agriculture, d'autonomie, mais aussi de vie artistique avec ce projet Aéroscène de Thomas Saraceno qui serait un des protagonistes de ce projet. Donc ça, c'est la version numéro 2. Et puis plus récemment, là, j'ai encore fait voyager ce concept de Mésopolis, et donc on va passer à la dernière slide, la numéro 5. Où je fais encore voyager ce concept de Mésopolis, qui là, donc c'est un récit que je raconte dans une revue qui vient juste de sortir, qui s'appelle Bad to the Bone, qui est une revue, je dirais presque un fanzine artistique, avec un numéro spécial sur la ville. Et là, je fais voyager encore une fois la Mésopolis. J'avais envie de tester un petit peu comment ce principe de communauté alternative, qui est toujours un petit peu au cœur des modèles utopiques, là devenait une communauté au milieu de la forêt, avec aussi le souci de travailler sur la santé mentale. On a vu avec la crise Covid qu'il y a vraiment des préoccupations psychologiques, la question des jeunes aussi, de voir comment cette communauté pourrait être aussi résiliente d'un point de vue psychologique, avec une communauté de danse, avec un espace public où on vient l'investir par la danse au quotidien, avec et sans musique, et donc d'introduire dans les modèles d'utopie aussi des idées qui peuvent être parfois de l'ordre de la présence du corps dans l'esprit, mais aussi ce modèle de Mésopolis, cette fois-ci, il est hyper connecté. Là, je mets en scène un des protagonistes tels que Michel Bowens, qui est un des gourous de l'économie des communs, qui défend des visions de communautés, ce qu'il appelle cosmo-locale. Et donc là, cette troisième forme de Mésopolis, elle essaye de, par le récit et l'image, essaye de donner à sentir ce que pourrait être là une communauté hyper connectée qui intègre également des technologies, qui est complètement en réseau, mais qui est nichée au cœur de la forêt en Thaïlande, là où Michel Bowens habite. Et donc, cette méthode de design fiction, c'est ça que j'avais envie de partager aussi, c'est une méthode qui permet d'être à la fois un pied dans le réel, mais aussi un pied dans l'imaginaire et d'utiliser des formes de recherche où on peut associer du récit, du discours, de la théorie et de l'image dans un enchevêtrement qui rend la proposition partageable aussi bien dans un colloque que dans une revue ou encore dans des ateliers avec ce format de recherche un peu hybride. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez me dire si je suis dans les temps. Oui, c'est bon, vous pouvez conclure. C'est bon. Si vous pouvez conclure, quelques mots de conclusion si vous le souhaitez. Donc là, dans mes slides, vous avez un petit peu les mots-clés. Vous pouvez aussi aller voir cette revue « Bad to the Bone » qui vient de sortir. Et donc, ce que je voulais partager, c'était aussi cette recherche par le design fiction, qui est une méthode assez intéressante pour travailler des modèles d'utopie, mais aussi faire des expériences de pensée au futur. Ça fait partie des méthodes de recherche prospective qui sont assez actuelles. Et donc, voilà, moi, je fais partie des gens qui essayent d'inventer un petit peu des méthodes de recherche en utilisant... donc là, les images que j'utilise sont des images que je trouve sur le web et qui permettent de sentir un petit peu qu'est-ce que pourraient être ces utopies. Par exemple, je reviens sur l'épisode précédent, dans la conférence performative que j'ai proposée. C'était une conférence, j'ai vraiment senti qu'elle était performative dans le sens où tous les spectateurs de la conférence m'ont demandé alors où en étaient les projets, quel était mon rôle dans ces projets, alors que j'avais vraiment installé l'hypothèse que c'était une expérience de design fiction et que donc ces projets étaient radicalement fictifs. Mais le fait de le raconter sur un ton assez, assez incarné avec des acteurs réels et des images qui laissent à penser que le projet existe, eh bien, le public, il y a un effet un petit peu, je dirais, de post-vérité, ce qui relève de la fiction apparaît tout d'un coup comme réel. Et donc là, on est un petit peu aussi dans l'usage du fake à vocation prospective pour donner à sentir des scénarios d'avenir. Donc voilà, et ce que je voudrais dire surtout, c'est que cette Mésopolis, c'est un concept un petit peu flou. Je pense qu'aujourd'hui, les concepts flous peuvent être intéressants parce que c'est à chacun de se l'approprier. Et donc, si certaines personnes ont envie de continuer sur ce chemin et me proposer d'autres versions de Mésopolis, je serais ravie d'engager
des conversations avec la communauté qui est présente. Malheureusement, je suis en accrochage d'exposition. Mon vernissage est dans 2 jours et donc je suis assez peu présente dans la communauté, mais c'est vraiment un regret parce que je vois qu'il y a beaucoup de très bonnes présentations que j'aurais adoré pouvoir suivre plus attentivement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir le concept de Mésopolis sous différents angles et la mise en mouvement de ce projet. Alors, 6e présentation de William Souza sur les perspectives pour une pédagogie de l'action. William Souza. Hola, me ouvrez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend très bien. Et on voit votre écran, c'est bon. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez également, l'écran? Oui, c'est bon. Je crois que oui, très bien. Vous pouvez y aller. Bonjour aux collègues au Brésil. Bonjour aux collègues en France également. Je suis Guilherme Souza. Je suis élève en master à la Faculté d'architecture et d'urbanisme de la USP à São Paulo. Je participe à des groupes de recherche sur la représentation de l'imaginaire et la technologie. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de ce sujet qui fait partie de mon travail de recherche que je développe depuis une année maintenant et qui a un titre provisoire pour l'instant, Perspective pour une pédagogie du faire. Je voudrais faire cette présentation à partir d'un rapprochement entre 2 choses. L'une de ces 2 choses, c'est ce que je comprends comme étant un phénomène qui se produit dans le domaine de l'éducation. Et l'autre, c'est une expérience qui est également du domaine de l'éducation, mais que dont je vais vous parler ici à travers un autre abordage. Je vais vous parler un petit peu de ce phénomène, donc de la compréhension que l'on peut avoir du mouvement ou de la culture maker, principalement selon la façon dont elle pénètre l'univers de l'éducation, des écoles en particulier, au Brésil. Et cette culture maker, elle a une expression triple, je crois, qui peut-être est née comme quelque chose de plus, avec un aspect un peu contre-hégémonique peut-être, comme étant une option contre l'impératif industriel de la consommation, de l'obsolescence programmée, très alignée avec la culture des hackers et le hackertivisme. À un moment, elle... Donc voilà, ce mouvement avait un peu ces aspects-là et ce discours s'est beaucoup répandu. Et je pense qu'au moment où les espaces comme les Fab Labs ont commencé à être constitués, les espaces de construction de projets, les espaces de laboratoire de construction du monde, l'existence de ces espaces a commencé à être justifiée à partir de l'idée. De cette culture maker comme étant un outil d'innovation, c'est-à-dire un outil une façon de prototyper et de créer de nouvelles affaires, de nouveaux projets. Donc cette compréhension de la culture maker a contribué à faire en sorte que l'on ressente cette nécessité de mobiliser un petit peu cette culture comme un CV, en tout cas dans les matières que l'on étudie à l'école plutôt, pardon, des matières parfois électives pour l'usage de ces espaces de construction, principalement dans les écoles particulières. Donc c'est ça que je comprends comme étant la consolidation du mouvement maker, comme étant un produit éducatif en fait. Donc c'est à partir d'idées pédagogiques comme par exemple le développement d'habiletés, des capacités alignées avec l'innovation et à l'entrepreneuriat. Cette culture s'est consolidée comme un produit avec un vrai différentiel par rapport à ce qui existe dans le marché des écoles, particulièrement les écoles privées au Brésil.
Donc, ce produit éducatif vient avec une critique qui est formulée contre une école traditionnelle et qui, je ne vais pas revenir sur chacune de ces critiques, chacun des topics de cette critique, mais bien qu'elle soit... Cette critique s'établit comme une... mais en tout cas de rassemble dans un même groupe tout un historique de, du point de vue de la pédagogie qui est en général vu comme étant une école traditionnelle, sachant que historiquement il y a eu de nombreux bouleversements historiques, de nombreux changements et des regards différents sur la pédagogie qui ne sont généralement pas compris. Donc, c'est ça qui se consolide comme étant un produit éducatif et qui est vu comme on peut le voir dans certains articles de journaux, qui présuppose donc un besoin éducatif en matière d'éducation, une nouvelle matière qui serait alignée avec les valeurs du 21e siècle, c'est-à-dire la consolidation d'une subjectivité aligné avec les valeurs que l'on comprend comme étant les valeurs de l'avenir et les professions de l'avenir aussi. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est je voudrais vous parler de l'expérience avec cette matière, la MAP 2001, mathématiques, architecture, design, qui est une matière optionnelle pour les élèves d'architecture d'urbanisme, pour les élèves de la faculté d'architecture et d'urbanisme et aussi ceux de l'Institut de mathématiques et statistiques. C'est une matière qui est donnée par le professeur Arthur Rosenstraten, Eduardo Colli et une autre personne dont je n'ai pas entendu le nom, pardon. Deux d'entre eux sont professeurs de mathématiques et Arthur est professeur d'architecture et qui mettent en tension un rapprochement entre ces disciplines, principalement les disciplines du projet, architecture et design, via les disciplines des mathématiques, non seulement comme un cadre épistémologique, comme un encadrement épistémologique, comme une manière de voir le monde, mais principalement comme étant une manière de construire le monde. Donc, c'est un rapprochement qui met l'exercice de construire des objets au centre, donc, des objets qui ont des relations soit à travers des représentations de concepts mathématiques, soit à travers avec une fonction pédagogique ou pas. Mais au sujet de cette discipline, donc, il y a un article qui va être publié bientôt, qui est en dernière phase de révision actuellement. Mais je voudrais parler ici particulièrement de l'importance de ce rapprochement, comme je l'ai dit, pas seulement épistémologique, mais sur l'idée de faire, du construire des solutions à des problèmes et un encadrement, comme l'a dit Gil Barros tout à l'heure, qui définit dans une intervention du ICHT, de l'ICHT 2016, qui établit deux rationalités, deux paradigmes pour la résolution des problèmes, plutôt liés aux sciences naturelles, mais aussi un paradigme que l'on trouve généralement dans l'architecture aussi. Donc, dans le cadre de ce rapprochement entre ces différentes choses, entre ces deux paradigmes rationnels et réflexifs, qu'est-ce qu'il y a comme connexion, en fait, comme pont entre ces actualisations dans l'idée du faire comme avec une certaine importance cognitive? Moi, je dis que oui, il existe des rapprochements et qui sont basés principalement sur le doute d'une idée particulièrement présente dans la pensée occidentale, notamment depuis Descartes, de la cognition comme étant un voyage principalement mental, dont le corps ne participerait pas, cette chose, vous savez, très cartésienne,
Et je vous parle de la théorie de l'architecture ici, qui sait déjà cela, qui a des affinités avec cette idée. Et principalement lorsque l'on propose un dessin, des modèles physiques comme étant les fondements d'une pensée constructive. Pas seulement la photographie, qui serait une représentation directe d'une préfiguration mentale qui aurait d'abord eu lieu dans la tête de l'architecte, c'est-à-dire une représentation comme étant véritablement une base matérielle pour la pensée ou l'intelligence. Je vais terminer ici. Vous terminez là-dessus, c'est cela? Guilherme? C'est cela, je suppose. Très bien, merci. Merci Guilherme pour cette oui, réflexion merci. Sur les aspects pédagogiques, la pédagogie du faire et de l'action. Merci. Donc nous voici au temps des échanges, des questions, je ne sais pas, des remarques. Alors peut-être, oui, il y avait une personne qui n'a pas pu s'exprimer, c'est cela? Oui. Alors, est-ce que du côté du Brésil, vous souhaitez prendre la parole? Gilles Barros. Sim. Bon, eu queria agradecer. Bon, en premier lieu, je voudrais vous remercier, Richard, pour si bien conduire cette table ronde et remercier tous les intervenants qui ont fait des présentations vraiment très intéressantes. C'est dommage que Marie-Madeleine puisse être présente pour présenter son travail qui paraissait être très intéressant et avoir un fort lien avec le reste. Et deux travaux qui ont été présentés ont deux aspects qui sont très intéressants et qui peuvent mener une conversation intéressante. Le travail de Josie Claire et de Guilherme, où les deux soulève cette question de l'enseignement, de l'apprentissage et souligne beaucoup cette question de l'apprentissage entrepreneurial qui est présent dans un lieu et qui utilise cette perception complète. Oh, c'est plutôt un apprentissage corporifié, pardon, qui utilise cette partie de l'input qui est très important pour le projet. Ce n'est pas le projet, la connaissance comme quelque chose de cérébral. Nous avons là trois concepts qui sont la métacognition, qui est la cognition du propre processus cognitif même, et la cognition corporifiée ou incarnée qui prend en considération donc le corps comme processus intrinsèque au processus cognitif et une étape au-delà de ça, la cognition distribuée, qui va au-delà de l'être humain et se trouve présente non seulement dans l'équipe, mais dans les objets utilisés, dans les milieux où on est inséré. Alors, on a là plusieurs concepts qui vont nous aider à penser et tout cela est articulé avec l'idée de l'enseignement d'un projet que nous parle dans la conversation réflexive avec les matériaux. On a donc un domaine intéressant sur lequel parler avec Guilherme et sur le travail de Renate, Vinicius, Guilherme. On trouve très présente cette idée de l'utilisation de l'image comme quelque chose qui va déclencher, disons, des concepts qui sont tacites ou implicites. Non seulement au moment où on amène ces images, les gens peuvent parler d'une façon plus efficace sur ce genre de situation parce que quand on a le projet fictif de Mésopolis qui est une ville, disons, flottante, chacun de nous va avoir une idée différente dans sa tête. Quand on commence à montrer des images de la ville flottante, les gens vont avoir un rapport plus efficace avec ces images et avoir donc un échange plus intéressant
ce qui est très intéressant, surtout quand on parle de processus collaboration pour le travail d'architecture. Et c'est très intéressant, c'est quand, je propose ça à Renate et Juliana, c'est quand l'architecte n'est plus le protagoniste, le principal dans ce processus et il travaille en collaboration avec d'autres. Alors, je voudrais soulever cela avec vous. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire où j'ai établi tout un tas de parallèles pour lancer la conversation. Merci Gilles, qui veut prendre la parole dans la salle ou en visio. Moi, je peux dire un petit mot. Bon, parce que je trouvais intéressant la présentation de Guilherme sur la notion de pédagogie et je me suis permis de partager dans le chat un article tout récent qui va paraître là au mois de novembre pour continuer sur cette question de la résilience avec cet oubli de la dimension artistique et culturelle et puis plus récemment la dernière recherche que j'ai menée c'était justement sur comment les écosystèmes apprenants peuvent être en fait la courroie de transmission également pour la mise en œuvre de cette résilience. Et donc voilà, je me suis permis de partager un article sur qui s'appelle « Fostering Resilient Co-Learning Ecosystem in the City », montrant comment ce tandem création, créativité, imaginaire plus apprentissage était en fait probablement le vrai moteur de la résilience, d'une résilience ancrée au cœur de la cité avec un processus qui est vraiment qui participe à une transformation des usages, la culture des makers étant un des exemples que je cite assez amplement dans cet article. Voilà, donc je me permettais de faire un petit renvoi entre ce que j'ai raconté et puis la présentation de Guilherme. Merci Raphaël. Oui. Je crois qu'il faut venir ici. Acho que vou falar um pouco. Est-ce que je peux parler là à l'écran? Ça va si je parle? Il y a déjà une personne pour parler avant moi. C'est bien. Oui, ça va très bien. C'est le micro qui est là. Ah, c'est celui-là. C'est les deux. Ok. Oui, moi, c'était juste une peut-être. Bon, c'est deux remarques. Une pour Raphaël qui concerne. Ah, pardon. Qui est dans l'autre sens. Une pour Raphaël à propos de la mésologie. Ça m'a fait penser en background historique à tous les projets de Paolo Soleri, notamment Mesa City. Et c'est vraiment tout un travail sur des villes imaginaires qu'il a conçues dans les années 60. Donc, je ne vais pas développer, mais lui, son utopie, c'était la redensification de petites unités. Et en fait, ça aboutit à la création d'Arcos Anti, qui est un modèle de communauté qui fonctionne dans le désert de l'Arizona. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour toi, Raphaël, un peu comme référence historique ancienne. Et puis, par rapport à ce que Guilherme a dit sur le cognitif, qui est d'abord mental et ensuite, qui est essentiellement mental dans la pensée occidentale, je me demandais si la question du learning by doing, qui est beaucoup, beaucoup employée justement dans le monde communautaire, hein, donc c'est l'expérience qui prime et c'est par là qu'on met en place des systèmes éducatifs, que ce soit pour enfants ou pour adultes, qui sont ensuite développent des mécanismes d'empowerment. Si penser aussi à ça ou si justement c'était plutôt un schéma global et si le learning by doing faisait pour lui partie des méthodes éducatives alternatives. Voilà, merci. Merci. Alors, je réponds par rapport à la référence historique. Oui, merci de cette référence. C'est clair que la Mésopolis, elle s'inspire d'expériences passées, mais elle pourrait prendre de nombreuses formes, c'est-à-dire que le prochain épisode de la Mésopolis pourrait aussi réfléchir à comment adapter ce modèle hypothétique à une très grande métropole. Donc, en fait, voilà, c'est plutôt un concept flottant dans le sens où il pourrait atterrir à différents endroits de la planète, voire aller sur la Lune, je dirais. Mais en effet, il est en ramification avec des modèles historiques, et merci de l'avoir rappelé. Et du coup, par rapport à cette question du learning by doing, j'en parle beaucoup dans l'article
sur lequel je fais référence. Donc, j'empiète un tout petit peu sur Guilherme. Voilà, je me tais. Merci, Raphaël. Qui veut maintenant s'exprimer? Posso commenter un peu au respect de... Faire un commentaire? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou si c'était exactement une question ou pas. Je crois que cette articulation des méthodologies anciennes ou alternatives du point de vue de l'enseignement, de la pédagogie dans le domaine de l'éducation sont dans le schéma du premier phénomène que j'ai soulevé et sont alignés avec cela. Je crois que ce qui nous manque dans cette large portée que j'ai soulevée, c'est un point de contact ou une posture par rapport à ces différents domaines en regardant vers le même objet. Et j'essaie de soulever cela dans cette recherche, justement, en essayant différents ponts avec ces différents points. Et je voudrais commenter ce que Gilles a dit par rapport à la cognition corporifiée et distribuée et comment celle-ci s'articule dans la pensée de Neuchâtel avec des façons alternatives de voir le présent et de possibles futurs. Et c'est un vrai challenge pour la pensée occidentale, l'idée que la cognition peut ne pas se passer séparément du corps. Et on fait des recherches sur cela, justement, dans le domaine des sciences cognitives. Ce que ces choses nous disent, justement, la cognition corporifiée et la cognition distribuée, c'est que le phénomène de la cognition est bien plus large que le pensée de la science pour la pensée dont on est les héritiers, disons. Et par rapport à la cognition distribuée, j'ai un commentaire. Celle-ci est vue aujourd'hui comme étant la possibilité d'externaliser des étapes de la pensée, disons, pour les objets techniques, pour nos artefacts. Mais la vision que l'imaginaire peut nous donner sur ce point dans l'atelier de la représentation, c'est que cette externalisation pour les objets techniques est ancienne, en fait. Et cela se fait depuis très longtemps. Ce n'est pas parce que maintenant c'est Alexa qui peut nous dire quand notre paquet est arrivé ou que Google va avoir toutes les informations du monde que c'est nouveau, quoi, que c'est novateur. L'idée de nos objets techniques gardent notre mémoire. On fait cette analogie avec Google. On a les livres, par exemple, et on a cette idée plus subtile qui est présente dans le domaine de l'architecture, de la production des modèles, la production physique comme un appui matériel aux rêveries qui font partie de du projet, disons, du développement du projet. C'était ce que je voulais dire. Merci Guilherme pour ces précisions et ce développement. Je propose de passer la parole à Michel. Oui, merci pour vos interventions. J'ai deux questions. J'ai une remarque, enfin, plus que des questions. Une pour Guilherme et puis une autre qui est plus générale. Pour Guilherme, alors je crois que vous êtes designer, si j'ai bien compris. Il y a dans les sciences sociales une réflexion importante qui est conduite depuis déjà pas mal de temps, en tout cas aux États-Unis avec Richard Sennett ou en France avec des auteurs comme Michel Allemand et d'autres, sur l'importance du faire. L'importance à Michel Allemand, le sociologue Michel Allemand, a travaillé sur les makers également. Là, il y a le titre d'un de ses ouvrages. Donc là, il y a toute une réflexion qui est conduite par les sciences sociales, sociologues et anthropologues, qui pourrait peut-être vous aider à compléter cette approche que vous avez développée, qui me semble effectivement très importante dans la perspective du
du design. Et puis, j'ai une question qui est plus transversale. J'ai l'impression, en vous écoutant, la plupart d'entre vous, alors peut-être pas Guilherme, mais les Raphaël ou bien Albertin, que lorsqu'on parle de projet, en fait, il y a peut-être deux plans de réflexion à avoir. Il y a le plan du projet tel qu'il se fait, tel qu'on le pense d'un point de vue, j'allais dire, quasiment technique. Et puis, il y a le récit qui est fait sur le projet. Et je trouve que c'est très intéressant la façon dont Albertin évoquait les choses. C'est que, effectivement, ce qui est transmis à la personne pour qui on fait le projet, ou avec qui on fait le projet, ou à qui on en parle, c'est un récit, c'est pas véritablement le projet. Et je trouve que cette dialectique de, je sais pas comment on peut dire, de l'objet-projet, du projet-récit, est quelque chose qui mérite tout à fait d'être approfondi. Et je pense là, il y a peut-être une voie à creuser pour, à la fois pour les chercheurs, mais peut-être aussi pour les praticiens, pour mieux faire correspondre ces deux dimensions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais bon, une réflexion comme ça. Moi, je veux bien répondre. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi important pour le projet de savoir, de former un récit qui lui donne cette impulsion, cette attache affective également, parce que le récit emporte. Le projet, il est pragmatique, il est opérationnel, on le décrit, on comprend l'impact, on sait comment ça marche, on sait peut-être ce qu'on va chercher, comment ça fonctionne, mais le récit, c'est celui qui crée ce lien émotionnel, hein, et donc on ne peut pas faire l'impasse de ce récit, au risque justement, alors il y a deux dimensions, c'est-à-dire que le projet a besoin d'un récit, mais aussi le récit peut former le projet, c'est-à-dire que moi, dans l'expérience que j'ai menée, la deuxième version de la Mésopolis, où en gros, c'était une conférence performative où je racontais des récits de projets qui étaient intégralement fictifs, mais le fait de le raconter de manière assez enflammée, avec un certain ton, avec des images assez attractives, et dans cette conférence, je présentais quatre projets, et certains avaient une dimension utopique, comme la Mésopolis notamment, mais d'autres étaient beaucoup plus grinçants et critiques. Mais en fait, le fait de le raconter sur un ton assez enjoué, avec ces images qui donnent une dimension imaginaire, et ben en fait, tout le monde dans le public a répondu comme si c'était tous ces projets étaient fascinants et géniaux, et il y avait une impulsion. Et en fait, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc par rapport à la puissance du récit qui embarque tout le monde dans une espèce d'euphorie de ces projets qui auraient l'air tellement incroyables, sauf qu'en fait, en réalité, sur les quatre projets que je présente, deux sont en effet à caractère assez utopique, mais deux autres sont assez grinçants, mais le public est tombé dans le panneau, en fait. Et donc, c'était intéressant de voir comment le récit peut, en fait, faire projet, donner l'impression que le projet est en cours et donner un appétit de manière erronée, avec, voilà, donc justement le récit comme instrument pour mettre en mouvement le projet, hein, c'est-à-dire que le projet n'existe pas, mais déjà de raconter l'histoire, c'est comme si on amorçait le projet, donc il y a une étincelle qui démarre, mais au risque de d'enfumer aussi et de créer un récit qui habille, qui donne une enveloppe attractive à quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et donc, ça relève de l'expérience esthétique aussi, d'avoir un peu de discernement dans la magie du récit qui peut emporter, mais aussi enfumer. Revenir par exemple à la description du projet peut être une manière aussi de vérifier que le projet est effectivement à vocation heureuse. Voilà. Merci Raphaël. Est-ce que Albertin veut réagir ou Guilherme? Je voudrais bien faire un petit commentaire, si vous me permettez. Je vous en prie. Je pense. Por favor, sim, pode. Quando a gente trabalha com imagens, quand on travaille avec les images, il y a une dimension éthique au
déontologique derrière ces images, parce que la sélection et production de ces images soulève un nombre de valeurs qui sont implicites dans les images qui sont montrées. Il y a donc un souci du genre de conduite du projet. Quelle conduite on va donner au projet, surtout quand on utilise ces projets dans un processus collaboratif, qui est justement l'un des grands volets, en faisant là un rapport avec le panel antérieur, quand Diogo nous a parlé justement de compléter la pensée utopique avec l'idéologie et avec l'écologie. Là, on va l'écologie surgir avec un autre aspect. Et c'était... Et justement, ce sont des moments de beaucoup de création collaborative. Mais quand on montre ces images, et l'architecte, non seulement l'architecte, mais enfin tous ceux qui travaillent avec les images, ont une habileté très grande de travailler avec ce langage des images, pour nous, on a donc ce challenge déontologique de travailler les images pour aborder une discussion qui va intéresser la communauté vraiment. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ce commentaire, justement? C'est pas seulement un défi, mais c'est également un défi insurmontable si ce n'est pas collectif. Ça, peu importe combien on doit être éthique ou déontologique, on a toujours un contexte en nous, social, par rapport à ces valeurs. Et ça peut sembler très complet, très diversifié, très ouvert à tout. Mais parfois, il y a un petit morceau là-dedans qui n'est pas pris en considération, qui est obscur. Et on a besoin de plus de personnes, justement, pour permettre à cette carte qui va couvrir toutes les valeurs de s'élargir. C'est pour ça que c'est si bien. Par exemple, le travail de Guy ne parle pas justement seulement d'un atelier où on applique tout le monde et le lieu où tout cela est fait, ou tous les jours, toutes les méthodologies actives, etc. Et avec Renata et Jou, on parle d'architectes qui parlent de leur contexte personnel pour partager avec le groupe et pouvoir élargir ces questions éthiques du système de valeurs. Et il est important de se souvenir de ça. Merci Vinicius, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des remarques, des questions? Oui. Obrigada, Vinicius. Ici dans la salle. Merci, Michel. Je veux bien féliciter à tous et toutes les intervenants, les intervenantes pour les présentations. Et vous faites une colocation en portugais. Je vais maintenant vous parler à respeito de um aspecto que vários trabalhos. Une question en portugais par rapport à plusieurs travaux, un aspect qui a été soulevé. Pardon, Arthur. Au sujet d'un aspect qui est récurrent dans tous les travaux qui ont été présentés. Sim. Que diz respeito a sentido crítico. Qui est lié à un sens critique. Qui baseado na ação. Basé sur l'action. Mesmo que essa ação seja, tenha sentido fictional, bem que essa ação puisse avoir un sens fictif, e contestatório de uma certa realidade. E contestatório de uma certa realidade. Tomando como base a experiência que todos nós estamos vivendo durante a pandemia, se l'on prend pour référence l'expérience que nous vivons toutes et tous durant cette pandémie, que pode reforçar uma postura contrária, passiva, de não ação, uma posição contrária, passiva, de não ação, de como espectadores de um mundo, como espectador de um mundo, como é que vocês enxergam cenário, cenário de transição pós-pandêmica, de transição pós-pandêmica, nesse sentido?
Y a-t-il des commentaires, réactions? Oui, moi je veux bien, pour le plaisir de nourrir l'échange. Oui, par rapport à la pandémie, par exemple, par rapport aux discussions prospectives, c'est clair que la pandémie a mis complètement à l'arrêt les imaginaires urbains avec cette mise en péril même de l'urbanité, tout d'un coup, distanciation sociale. Enfin, vraiment, c'était vraiment la mise à l'arrêt du concept même d'urbanité. Et on n'est pas encore tout à fait sorti de cette ambiance parce que on a encore un petit peu du mal à savoir comment la ville réapparaît finalement. Parce que, et c'est pour ça que les écosystèmes d'apprentissage, c'est quand même un bon chemin, parce que quand la vie culturelle est à l'arrêt, par exemple, peut-être que les espaces d'apprentissage sont les endroits où une sociabilité se reforme. On voyait, par exemple, pendant la pandémie, comment les écoles, moi je suis intervenue dans plusieurs écoles de design, où l'école accepte de fermer à 10 h du soir parce que finalement les étudiants n'ont nulle part où aller, et que donc c'est le seul endroit où ils peuvent rester entre eux, c'est en restant à l'école. Donc l'école devient l'endroit de la sociabilité qui serait normalement le café ou le lieu créatif, le lieu artistique, culturel, social, où les jeunes feraient communauté. Et bien, finalement c'est l'école qui devient l'endroit, le hangout, je dirais. Et donc il y a des choses en train de se dessiner, et vous avez raison que la pandémie nous a laissé spectateur, et peut-être que le spectateur peut être aussi dans un rôle actif, justement par la fiction, d'essayer de fomenter de nouveaux récits. Et le récit, c'est quand même la première piste d'expression de ces projections individuelles, hein, aussi. Le récit, c'est quand même quelque chose qui est pratiqué à l'échelle individuelle, mais aussi collective et individuelle. Et le récit est la première dimension d'une mise en mouvement, même si le corps ne bouge pas, mentalement, il y a une mise en mouvement par le récit qui est déjà amorcée. Donc voilà, je fais peut-être un lien avec d'autres sujets évoqués ce soir sur la dynamique du récit à l'échelle individuelle aussi, comme dimension résiliente. Merci Raphaël. Dernier commentaire, remarque, observation en visio dans la salle? Eu acho que eu tenho alguns comentários sobre. Moi, oui, j'ai un commentaire à faire. Oui, j'ai un commentaire à faire sur. Peut-être que Guy pourra m'interrompre pendant que je parlerai, puisque c'est très lié à à son objet de recherche. Je ne sais pas exactement si les gens vont. Je ne sais pas s'ils vont se souvenir de ces questions de sociabilisation. On peut peut-être attribuer notre imaginaire. En se rappelant de la question de la cognition distribuée, la corporéité que nous avions avant la pandémie, qui était distribuée dans nos objets. Et quand on entre dans la pandémie, en fait, on nous rappelle tout le temps que ça va terminer à un moment. On n'est pas certain qu'il va y avoir une fin, mais on est constamment en train de dire il va y avoir une fin, le vaccin... ceci, cela, on va arriver à tel ou tel point. Voilà. Et donc les gens disaient, ça va passer. Je crois que peut-être les gens se sont bloqués par rapport à ces expériences vécues de façon isolée. Et peut-être qu'elles sont particulièrement réactives à nos corporéités, vous voyez, quand on se retrouve à nouveau. Donc peut-être que... en venant d'un pays où tout était fermé, quand on arrive dans un autre pays où tout était ouvert, il y a un choc qui vient d'abord par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est maintenant une expérience personnelle, hein, que je partage avec vous. Je ne sais pas si tout le monde va réagir de la même façon, mais il existe un certain souvenir immédiat, en fait, quand on... puisqu'on agit tout simplement de la façon dont on agit... dans un ensemble jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là.
sans distance. Donc, je ne sais pas véritablement si on a oublié comment les choses étaient, si on va devoir reprendre quelque chose. Je crois que c'est juste, il faut juste rallumer peut-être les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Oui, j'aimerais faire un commentaire par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Oui, j'ai la parole. Oui. Alors, la pergunta du professeur Arthur. Ce que le professeur Arthur la question qu'il a posée m'a fait réfléchir beaucoup à cette question du biais. Du biais dans notre travail, dans le travail qu'on a présenté, qui fait plutôt face à la question du scénario académique, de l'enseignement et de l'apprentissage de projets. Et tout ça m'a fait plutôt réfléchir sur le fait que dans ce scénario post-pandémique, le besoin des professeurs, etc., de tisser des réflexions et de problématiser la question de la présence et de l'habiter même, dans le cas des cours d'architecture et d'urbanisme, par exemple, on pense à l'influence de la présence et de l'habiter des cours, des villes, l'influence que tout cela a dans les processus de formation de nouveaux professionnels. Il s'agirait de réfléchir sur l'imprévisible qui apparaît à partir de l'environnement et combien cela nous a manqué durant ce temps de pandémie. C'était quelque chose de naturalisé, disons, qui nous a manqué à un tel point que, voilà, je pense que dans ce contexte post-pandémique, nous, les universitaires, nous devons invoquer cette réflexion sur la présence et l'habité, ER. Et quand on invoque ces réflexions sur la présence et l'habité, qui émerge à partir de la présence, je pense qu'il y a également une réflexion concernant ce que l'on produit en tant qu'image, et principalement les rapports que nous établissons avec les images. Puisque dans le cas du processus de projet, je pense que on doit faire face à des processus de production d'images, et c'est quelque chose parfois qui est un peu automatisé, et on n'établit pas véritablement de dialogue. Donc moi, je prendrais le risque même de dire que parfois, les étudiants d'architecture et d'urbanisme ne se rendent pas compte de ce que les images qu'ils conçoivent représentent au-delà de leur propre projet. Donc voilà, ces réflexions sont nécessaires et ça passe par la présence, puisque quand on s'arrête sur une image et qu'on voit ce qu'on a produit, comment on va raconter une histoire, quelles sont les photos, quelles sont les images de maquettes, etc., que l'on va pouvoir rassembler. D'une certaine manière, je suis plus présente, en fait, que dans un processus de conception. Voilà, c'est ça. Merci, Alberton. Est-ce que, Gilles, vous voulez dire un mot? On arrive à... Não, acho que as colocações foram muito interessantes, mas eu estou... Je pense que ce qui a été dit est extrêmement intéressant, je suis très satisfait. Merci Gilles, merci. C'était un échange effectivement très riche et je remercie tous les conférenciers pour l'excellente qualité de leur présentation et la qualité des échanges. Je remercie à la même occasion les traducteurs qui facilitent un échange sur les idées et le contenu, les fondamentaux, en passant directement donc du portugais brésilien au français, sans passer par l'anglais. Donc merci beaucoup aux traducteurs. Et puis je félicite à nouveau les organisateurs de cette manifestation, Michel, Lensal et tous les participants. Et je vois qu'au travers donc de cette table ronde, les échanges pourraient se poursuivre. Et donc on peut penser que dans l'avenir, on peut se faire le projet de se revoir et de poursuivre cet échange. Merci à tous et je vous souhaite une bonne pause. Merci.